Regardez, cette artère vient d'être débouchée. Le sang circule de nouveau. Un patient va survivre à cet AVC. Et cela grâce à une toute nouvelle technique unique aux Antilles, la thrombectomie mécanique. Mais avant d'en arriver là, pour avoir la vie sauve, le patient aura suivi un circuit de soins extrêmement précis. Il commence ici, au centre d'appel du 15. Est-ce qu'elle bouge les quatre mains ? Grâce à des questions précises, ces professionnels sont en mesure de suspecter des AVC. L'AVC, c'est une urgence. Il faut que le patient arrive très vite à l'hôpital sans intermédiaire. Donc, les pompiers sont envoyés immédiatement. Vient ensuite une prise en charge très spécifique aux urgences de l'hôpital. Les pompiers nous annoncent une suspicion d'accident vasculaire cérébral. On fait un examen médical pour confirmer cette suspicion d'AVC et en même temps on appelle le neurologue. Le neurologue, c'est en quelque sorte le chef d'orchestre de la prise en charge. C'est lui qui confirme le diagnostic d'AVC en partie avec l'IRM et c'est lui aussi qui détermine le type de soins à offrir à chaque patient. Il faut que qu'on puisse voir les patients dans les 6 premières heures et le plus rapidement possible. Parce que plus on fait un geste de reconnaissance tôt, et plus le pronostic est meilleur, aussi bien sur le plan vital que sur le plan aussi du pronostic fonctionnel de la fonction et du handicap. Une fois ces étapes capitales franchies, les patients ayant les AVC les plus graves pourront bénéficier de la fameuse thrombectomie mécanique. Seuls 30 hôpitaux la pratiquent en France. Inutile de dire qu'en Martinique, c'est une vraie révolution. C'est une révolution qu'on attendait depuis une trentaine d'années, qui permet de déboucher les artères du cerveau dans certaines indications dans les AVC. Ce n'est pas dans tous les AVC, mais enfin, c'est pour ceux que cela concerne, c'est une révolution avec des résultats excellents, puisqu'on débouche les artères dans 80% des cas. Mais voilà, il n'y a qu'un neuroradiologue hautement qualifié qui peut pratiquer la thrombectomie mécanique. Aujourd'hui, le professeur Medjoubi est donc le seul à pouvoir soigner les patients de Martinique et ceux de la Guadeloupe qui arrivent en hélicoptère et en urgence. Mais face aux résultats spectaculaires de la thrombectomie mécanique, la Société française de neuroradiologie fait venir des spécialistes sur notre île pour renforcer les équipes. C'est le cas de ce médecin. On a déjà une quinzaine de praticiens hospitaliers de métropole qui sont neuroradiologues interventionnels comme moi et qui ont donné leur accord de principe pour venir passer une durée de 2 à 3 semaines. Et il faut maintenant qu'on motive, qu'on transforme l'essai et qu'on organise la succession de ces séjours pour pouvoir organiser ici ce qu'on appelle une permanence des soins. C'est ça qui est important. Il ne s'agit pas d'avoir de temps en temps un praticien qui vient suppléer le professeur Medjoubi qui est tout seul à faire ça en Martinique. Et vraiment, il faut lui rendre hommage parce qu'il a mis en place cette thérapeutique, cette alternative thérapeutique de la thrombectomie. Mais il ne peut pas être sur la brèche toutes les nuits, tous les week-ends. Il y a urgence à former des neuroradiologues en Martinique. Cette technique sauve des vies, mais elle permet aussi de limiter très sérieusement le risque de handicap. Un véritable espoir pour les 1200 Guadeloupéens et Martiniquais qui sont frappés chaque année par un AVC ischémique.